Разговаряме с Джеймс Ето, играч на мача в двубоя между ЦСКА и Берое. Джеймс, поздравления най-напред за наградата. Как ти видя двубоя и заслужена ли е победата на ЦСКА според теб? Félicitation d'abord pour la victoire et qu'est-ce qu'il est ton opinion du match? Est-ce que vous avez gagné normalement ou je veux dire qu'on n'a pas démérité. On a fait le maximum qu'on pouvait. On s'est battu jusqu'à la fin et je remercie les supporters, c'est grâce à eux aussi parce que ils nous ont beaucoup poussé, ils nous ont encouragé et grâce à l'équipe et je pense que grâce à l'équipe et le collectif, on a pu réussir à mettre un but. Je crois que c'est Дадохме всичко от себе си и играхме до последно. Също така много бих искала да благодаря и на публиката, тъй като през цялото време те ни подкрепиха и допълнително ни стимулираха. Благодарение на колектива и на екипа, който имаме изграден, мисля, че спечелихме днешния матч. Доста интересна е позицията ти на терена в определени моменти като вътрешен полузащитник, в други като десен крайен бранител. Къде се чувстваш най-добре, тъй като в Ботев играше в средата на терена най-често? Ta position au terrain est un petit peu intéressante parce que tu ne joues pas la même position que tu as été à Botev. Si, j'ai l'habitude de jouer deux positions. Je suis habitué à jouer latéral droit et 6. Donc, je suis habitué sur les deux postes. En plus, je suis à l'aise. Et pour moi, ça ne me gêne pas de jouer dans les deux positions. Напротив, стикнал съм да играя и на двете позиции. По никакъв начин не ми е проблем да играя на която и да от тях. Втора поредна победа за ЦСКА. Как усещаш ти вътре атмосферата в отбора, комуникацията с другите играчи? Подобрявате ли си по време на тренировките през това поглед? Deuxième victoire pour ЦСКА. Comment tu te sens avec l'équipe? Est-ce que la communication est meilleure? Est-ce que l'atmosphère est meilleure? Moi, tout est bien. On a gagné, on a eu 3 points. L'équipe, c'est une très très bonne équipe. C'est comme une famille, il y a du collectif. On joue ensemble, nous sommes soudés. Je sais qu'on va aller très très loin. Да, няколко точки вече спечелихме. Това със сигурност е доста по-добра като атмосфера, но и екипа, ние сме вече като едно семейство, играем заедно и се разбираме отлично. Ти в Ботев играеше пред страхотни фенове, тук отново са такива. Можеш ли да направиш сравнение, разлики между двете агитки? Ботев та жуе веки на публика в хамон... Vraiment bon. Et est-ce que tu peux faire comparaison entre les deux publics, la CSKA et le Botev? Non, je peux pas dire que c'est pareil. On a un bon public, ils sont là tout le temps, ils sont là à tous nos matchs. Et pour moi, je pense que CSKA Sofia, on a des très bons supporters. Et moi, cette victoire, c'est pour eux. Donc, je pense que les supporters de CSKA, ils sont bons. Да, така е. Публиката на ЦСКА наистина е невероятна и мисля, че и двете публики със сигурност винаги са ни подкрепили, винаги са били на стадиона заради нас. И последно, тъй като стана доста студено, номер 99 на твоята фланелка, какво означава и любимите по някакъв начин? Enfin, le numéro 99. Est-ce que ça symbolise quelque chose? Ça symbolise le dossard de mon père, c'était un footballeur. Et c'est pour ça que j'ai porté son dossard, parce qu'il est décédé. Donc, du coup, j'ai décidé de porter son dossard. Да, носи този номер заради моя баща, който също беше футболист и който почина в негова чест. Благодаря, успех на ЦСКА. Thank you.